ses mains sont dans le pétrin. Et sans lui, la table serait bien chagrin. J'aime faire plaisir aux gourmands, alors je suis pâtissier. Le pâtissier, c'est celui qui vous dit bonjour avec ses croissants et ses petits pains au chocolat et qui essaye d'embellir la fin de vos repas avec une petite pointe de sucré. Alors dans la boulangerie, la journée type démarre relativement tôt. On commence à 3h du matin. La préparation des pains d'abord, les croissants, les pains au chocolat, les pistolets, les coupes pour alimenter le magasin qui ouvre à 7h30, donc il nous faut un grand choix pour l'ouverture. Après ça, on s'occupe de toutes les mises en place pour pouvoir redémarrer la journée du lendemain et puis on se repose. Il faut les qualités de savoir respecter les traditions de nos aînés, mais savoir les faire évoluer avec les produits, les goûts actuels et être un petit peu créatif. J'ai démarré ma formation après 4 ans dans une école de boulangerie-pâtisserie. Après ça, à l'âge de 18 ans, j'ai démarré dans le secteur professionnel et je me retrouve ici actuellement. Maintenant, d'autres formations possibles sont également le contrat d'apprentissage où il y a également 1 à 2 jours de formation dans l'école et ensuite le restant se passe en entreprise. J'ai pu réaliser mon rêve et monter mon entreprise. On vend du plaisir, la pâtisserie, ça c'est positif. Les inconvénients, il faut savoir se lever tôt et parfois travailler le week-end, mais c'est pas grave. Mon métier, c'est ma vie.